Tu vas gagner les gardiens, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver sur la petite rubrique hebdomadaire où Exur et ce qu'ils vendent, donc en ce vendredi 11 décembre. Et donc pour ce vendredi 11 décembre, il va falloir aller à la tour. Allez, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc le temps d'arriver chez Exur et nous voyons ce qu'ils vendent ensemble. Je vous voilà, apporte un donc, message. Qu'est-ce que tu nous vends de beau, Exur? Donc, alors, la Goule Trinitaire, alors, très bon arc, hein, je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas, achetez-le les yeux fermés. En plus, si jamais vous dropez après le catalyseur pour cet arc-là, c'est une vraie tuerie. Et surtout, si vous aimez les arcs, pardon, allez-y sans problème. Donc pour le chasseur, nous avons la veste de Guishin, très bonne exotique également à utiliser avec votre doctrine abyssale. En plus, là, on a une répartition correcte entre mobilité, récupération, intelligence et force à 62 en plus. Oui, je pense que vous pouvez le prendre sans problème. De toute façon, si vous ne l'avez pas, vous le prenez. Et si vous avez des stats moins élevées, pardon, prenez-le également. Pour le titan, nous avons l'armamentarium, très bon torse également, et là avec des perks au niveau résistance pas mal. Après, faut aimer jouer de résistance, mais ça peut être un bon palliatif pour certaines activités. De toute façon, vous avez une stat globale de 65 qui est vraiment pas mal du tout. Et ça vous permet d'avoir deux grenades, donc de toute façon, ça peut toujours être intéressant. Et pour l'arcaniste, nous avons le torse cycle du rayon, le fameux torse qui fait des problèmes en ce moment à Bungie et qui est désactivé à l'heure actuelle. Donc avec des stats de 63, on aurait peut-être aimé avoir une répartition un petit peu mieux distribuée dans l'ensemble, mais bon, ça peut être pas trop mal. Donc pour résumer, nous avons l'arc qui est à prendre absolument, hein, de toute façon si vous ne l'avez pas, il faut vraiment que vous l'ayez. La veste de Guishi avec de très bonnes stats pour moi au niveau du chasseur. L'armamentarium qui aurait peut-être été mieux en récupération qu'en résistance, mais ça peut toujours vous permettre d'avoir de la résistance si vous n'en avez pas sur votre autre équipement. Et enfin, le fameux torse de l'arcaniste, alors vous pouvez l'acheter, mais malheureusement, vous ne pourrez pas l'équiper pour le moment parce qu'il est temporairement désactivé par Bungie. Et enfin, comme d'habitude, hein, je vous conseille vivement de prendre votre engramme prédestiné. Hein, donc c'est un engramme pour le compte, donc vous n'y avez droit qu'à une seule fois par semaine. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir, donc pour rappel, hein, cet engramme vous permet d'avoir soit une arme, soit une armure que vous n'avez pas encore, mais ça ne peut pas être une armure et une arme de la saison 12. C'est obligatoirement des saisons précédentes, donc toutes les saisons avant la saison 12. Et enfin, si vous voulez avoir une deuxième chance avec un engramme prédestiné, vous pouvez toujours faire la quête de Xur qui vous permet d'avoir un cryptage exotique. Pour rappel, ce cryptage exotique, pardon, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit effectivement, vous l'utilisez directement ici pour avoir un deuxième engramme prédestiné. Ou soit vous pouvez l'utiliser également au kiosque exotique qui se trouve près du coffre, vous savez, à la tour, qui vous permet d'avoir un des exos que vous n'avez pas eu auparavant lors d'une quête, quoi. Enfin, une dernière petite chose, c'est vrai que j'en ai pas parlé, vous pouvez en profiter également pour monter vos exotiques en achetant donc un exotique donc pour 23 éclats, que ce soit une armure ou une arme. Par contre, il faut absolument que ce soit la même pièce. Donc pour infuser en fait un cycle du rayon sur un cycle du rayon pour 23 éclats légendaires. Autrement, vous pouvez l'infuser avec d'autres équipements, mais ça vous demandera des ressources d'amélioration. Donc en l'occurrence, je vais vous le faire voir pour l'exemple. Donc on prend ce torse là, on va aller sur mon torse à moi qui de toute façon pour moi est de meilleures stats et je vais l'infuser, vous allez voir, là je vais l'infuser que pour des lumens. Si je prenais par exemple le torse actuel et que je l'infusais avec celui-là, enfin ça fonctionnerait pas parce qu'il est plus bas en stats. Voilà celui-ci par exemple.
si je l'infusais avec, vous voyez, ça me coûterait une matrice d'amélioration. Donc si vous n'avez pas beaucoup de matrice d'amélioration, ça peut être la bonne solution. Là, vous voyez, vous prenez la même pièce. Il faut que ce soit exactement la même pièce pour que ça fonctionne qu'avec des lumens. Et là, vous allez pouvoir l'infuser, pardon. Et ça va vous donner un torse tout de suite à 1250. Voilà. Pour la petite astuce du jour, c'est vrai que je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, j'ai oublié parce que pour moi c'était assez évident, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, ça va être tout pour la rubrique de Xur de cette semaine. Alors la goutte trinitaire, si vous l'avez pas, je vous le conseille encore vivement. Et donc je remercie toutes les personnes qui auront passé un peu de temps pour regarder cette vidéo et je vous souhaite à tous un très bon farm et un très bon Destiny et je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine de toute façon pour Xur et à très bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, gardiens et gardiennes, sayonara et prenez soin de vos spectres.